Bonjour, on est le lundi 8 mars 2021 avec une météo qui semble bon paraître bonne, parce qu'au matin il y avait quand même quelques nuages en cette matinée. Mais sachez qu'on est toujours en hiver et qu'on attend l'ouverture des portes du printemps qui se dérouleront donc ce mois-ci bientôt. On y est presque. Ceci étant dit, bon, on a eu qu'une semaine suivie d'un ciel azur. Simplement, on a eu quand même du gel, hein. Du gel, mais avec des remontées parfois de température. Bon, il a fait mitiger du gel mélangé avec des températures haussières, de températures, notamment en début de semaine. Début de semaine, bon, voilà, on reconnaissait un temps printanier, mais on est toujours en hiver, puisqu'en fait, quand vous regardez des petites étendues d'eau, on se retrouve avec de la glace. Donc, ça vous rappelle que vous êtes bien au niveau de l'hiver. Bon. Alors, ici, je vais toujours faire l'étude de signaux. L'étude de signaux. Et généralement, des signaux caractéristiques. Signaux caractéristiques. Alors, les signaux, on les étudie pour quoi faire? Parce qu'on va faire des traitements sur les signaux. D'abord, il faut connaître l'allure. Quand on traite un signal, ce qu'il faut connaître, c'est l'allure du signal. Le signal a une allure. Une allure temporelle, bien sûr. Allure temporelle. Je ne sais pas si allure, il faut deux L. Bon, j'ai mis. Je ne sais pas s'il y a des erreurs là-dessus, mais voilà. Il y a une allure temporelle, bon, qui est décrite par un signal S de t en fonction du temps. Donc ça c'est l'allure temporelle, elle existe, donc elle a une allure, elle existe, donc elle est, donc elle possède, voilà, une caractéristique qui est, voilà, une fonction du temps qui lui est propre. Et suivant sa caractéristique temporelle, ben on lui donnera un nom. Un nom. On peut lui donner un nom au signal, surtout s'il est fortement utilisé, notamment à des fins de traitement de signaux. Alors, vous allez me dire, oui, mais les études de signaux, ça sert à quoi? Mais justement, ça sert à des fins, que je viens de le dire, de traitement de signaux. Alors, traiter les signaux, c'est traiter des signaux de même allure ou d'allure différente. Hein. Ils ne sont pas obligés d'être les mêmes. Je prends un signal S1, une onde avec une seconde onde S2. S1 peut être différent ou égal à S2. Et peut-être, bon, vous allez traiter des signaux différents ou égaux. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces signaux? Bon, on peut faire des multiplications, des divisions, des additions, des soustractions, donc des opérations, hein, voilà, des opérations, des hachages, voilà, des redressements, des redressements, des filtrages, enfin, beaucoup de choses, des intégrations, des dérivations, bref, c'est pas ça qui va manquer, des comparaisons, comparaisons, etc. Bon, on va faire des traitements de signaux. Sur un signal caractéristique, on va lui faire subir des traitements de signaux. Alors, je vous rappelle qu'ici, on n'est pas qu'en maths. Hein. Bon, un signal, c'est d'accord. On est d'accord que bon, c'est une fonction mathématique, mais une fonction du temps, qui est une fonction temporelle. C'est une fonction temporelle. Donc, voilà, c'est une application des mathématiques, je veux dire, aux sciences. Et aux sciences, notamment aux sciences des techniques. Fonction temporelle. Donc, on a affaire à des fonctions temporelles qui dépendent tout simplement de la notion de temps. Et le temps ne peut que s'écouler dans le sens des temps croissants. Donc, les études de signaux nous amènent à parler, bien sûr, de signaux caractéristiques connus de la science des techniques. Bon, quelle que soit la science, le domaine, hein, quelle que soit électronique, électricité, mécanique, on a voilà, des signaux. Et bien sûr, sur ces signaux, ben, on peut en faire subir des traitements.
des traitements mathématiques, des traitements logiques, des traitements de ce qu'on veut. Si je prends par exemple la logique numérique, voilà, signaux numériques, ou ce qu'on appelle des signaux numériques digitaux, c'est-à-dire traités par les ordinateurs, ben on peut lui faire subir beaucoup de choses. Au niveau de traitement, voilà, on peut avoir un additionneur, un sommateur, un multiplicateur, une comparaison, une porte et, une porte logique OU, une porte logique XOR, etc., etc. On peut attaquer les signaux par voilà, ce qu'on appelle je sais plus comment on appelle ça, voilà, de l'amplification, de l'atténuation. On peut faire voilà, du hachage, comme j'ai dit tout à l'heure, du redressement, voilà, de la commutation, du multiplexage, du filtrage, etc. Bon, donc en fait, on en fera subir des traitements de signaux, des traitements sur les signaux. Alors, en logique numérique, on trouvera un signal de caractéristiques, bah, bien sûr, de type, voilà, qui peut être, qui est binaire. Binaire, un état 0 ou 1. Et avec ce 0 ou 1, on en fait de l'information numérisée. On peut mettre plusieurs bits pour avoir une information qui peut distinguer le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. On mettra soit en octal, en décimal, en hexadécimal, ces valeurs numériques. Voilà. Donc, sur des signaux, on va faire des traitements de signaux. Et suivant le domaine où on se trouve, ben, on traitera les signaux suivant le domaine où on se trouve. Et il y a des allures caractéristiques de signaux dans les domaines où on se trouve. Par exemple, si je prends l'électronique, ben, si vous avez parlé du signal carré que j'ai entrevu, le signal carré, le voici. Voilà, c'est une onde. C'est une onde. Donc, si je prends un signal électronique ou électrique, c'est une onde électrique, électromagnétique. C'est une onde électromagnétique. C'est une onde électromagnétique. Voilà. Mais répétitif. Répétitif. C'est une onde électromagnétique répétitive. C'est-à-dire avec une certaine période qui va. Voilà, là on a la période de moins pi à pi. Voilà, elle revient à chaque fois. Donc c'est un signal répétitif ou périodique. La période revient à chaque fois. Donc ça c'est ce que je vais appeler la période. Alors la période, bien sûr, la fréquence c'est l'inverse de la période. Et la pulsation, c'est 2 pi fois la fréquence. Et bien sûr, le signal peut atteindre un maximum qui est par exemple V maximum. Dans ce cas-ci, le maximum vaudra V max. V max. Bon, bien sûr, il va, on dirait, alterner entre V max et moins V max. Hein. Alors ici, on aura la valeur de moins V max, son opposé. Voilà. Donc, le signal est connu en amplitude et il est connu, sa période et son amplitude est connue. Et c'est, on sait bien que c'est répétitif. Donc, c'est un signal répétitif. Maintenant, j'ai déjà fait le signal carré au travers de la transformée de Fourier, la série de Fourier, qui est une série dans laquelle on retrouve une intégrale. Voilà, c'est une série dans laquelle on retrouve une intégrale. Et le tout, c'est de résoudre l'intégrale. Une fois qu'on a résolu l'intégrale, mais on a la série. Donc, ça revient à du calcul intégral, si vous voulez. Bien sûr, en finalité, on a une série. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on va voir? On aura une série résolue par une intégrale. Et on pourra avoir la série complète. Ce qui veut dire que, pour que, bien sûr, il faut que l'intégrale soit calculable. Il faut que ça soit sommable. Mais ici, je vais la calculer.
Donc, je n'ai pas de critère de convergence à appliquer, qui est le critère de Cauchy pour voilà, les séries de Fourier. Je n'ai pas appliqué ça ici parce que je vais la calculer. Donc, calculer une intégrale infinie, enfin, ici, ce serait une intégrale périodique, hein. Voilà, c'est une intégrale périodique. Donc, le problème ici, ça va pas se poser au niveau de l'intégrale, mais au niveau de la série. C'est au niveau de la série que ça va se poser au niveau de la convergence. Mais ici, il y aura convergence, parce que je vais voir des allures de signaux caractéristiques, c'est-à-dire, comment on appelle ça, connus, des signaux connus par la technique, le monde dans lequel vous utilisez ces signaux. Le monde de la technique connaît ces signaux-là. Donc le signal carré est connu, hein. Si vous faites de l'électronique, le signal carré il est connu. Si vous faites de l'électronique ou de l'électricité, le signal en dents de scie est connu. Voilà, donc le signal en carré ou en dents de scie sont connus. Donc je veux dire, on sait bien que c'est convergent, hein. On en connaît sa série, elle est connue. D'ailleurs, c'est ce que je vais calculer ici. Je vais calculer sa série. Bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait. Tout d'abord, il faut savoir que on a la transformée de Laplace. La transformée de Laplace, c'est une intégrale. C'est une intégrale de moins l'infini à plus l'infini de s de t. Alors pourquoi moins l'infini à plus l'infini, pas 0 plus l'infini, alors que le signal existe pour t supérieur à égal à 0? Parce qu'en dehors de ça, s de t égale 0 pour t égale 0. Pour t inférieur à 0, je m'excuse. Ah, au-delà de ça vaut s de t, peut-être positif, négatif ou avoir des racines. Alors, vous avez bien vu que dans le domaine, normalement, le domaine, bien sûr, c'est de 0 à plus l'infini. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Moi, je peux étendre à moins l'infini parce que le signal, il vaut 0. Voilà, il vaut 0 avant. Donc, je calcule de moins l'infini en allant vers plus l'infini. Mais là, l'intégrale, elle vaut 0, ça ne change rien. Elle vaut 0 parce que le signal, il vaut 0. Donc, ça change rien. Donc, ce que je fais là, c'est ce qu'on appelle un prolongement. Je fais un prolongement du domaine pour pouvoir calculer veux dire, dans un intervalle non borné des deux côtés, parce que là, il est borné en 0. Mais là, il est non borné. Par contre, là, il est non borné en moins l'infini et il est non borné en plus l'infini. Donc, la série de Fourier, c'est S de T qu'on va transporter dans le monde des complexes, E moins PT, DT. Voilà, et ça, c'est la transformée de Laplace. Ça, c'est la transformée de Laplace, transformée ça, c'est la transformée de Laplace. Alors, si vous regardez la transformée de Fourier, c'est similaire, hein. Moins l'infini plus l'infini S de T E moins J oméga T DT. Et là, on va faire la transformée de Fourier, ou la série de Fourier. Enfin, la transformée de Fourier. Transformée de Fourier. Voilà. Donc, d'un côté, on a la transformée de Laplace et de l'autre. Et alors, ces deux signaux sont valables aussi bien pour des signaux répétitifs que des signaux non répétitifs. Alors, mais généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser celui-ci pour des signaux. On sait calculer pour des signaux non répétitifs, hein, fatalement, c'est plus ou moins la même chose. Ici, on a une fonction à variable réelle, dans les complexes. Donc on a en plein dans l'analyse complexe, tous les deux. Donc là, on a aussi bien les propriétés de l'un et de l'autre sont dans l'analyse complexe, surtout que la forme est quasiment la même. Ce qui va différer, c'est que P est égal à alpha plus bêta j, où on a alpha égale 0
pour la série de Fourier et bêta, pour la transformée de Fourier et bêta égale j oméga. P, oui, bêta égale j. Ça veut dire que P égale j oméga. Ça veut dire que P est égal à j oméga. Bon, donc on s'est calculé là, pour des signaux répétitifs, la transformée de Laplace, pour autant qu'elle existe, bien sûr, voilà, il y a un critère de convergence. Si on a un critère de convergence, si on l'utilise et qu'on voit que la fonction, on sait qu'en calculer l'intégrale, ben, la transformation de Laplace existe. Et il en est de même pour la transformée de Fourier. Si il y a un critère de convergence, quel critère de Cauchy, voilà, si on sait voir que on a convergence, ben, s'il y a convergence, on peut calculer l'intégrale et donc la transformée de Fourier existe. Tout est basé sur des critères de convergence où on peut calculer normalement s'il y a convergence, bien sûr, s'il y a convergence, parce que s'il y a divergence, on ne sait pas calculer l'intégrale. Je vous rappelle, calculer l'intégrale non bornée, c'est quoi? C'est calculer d'abord la primitive. Ça, on sait le faire, qu'elle soit divergente ou convergente, on sait calculer la primitive. Mais maintenant, en calculant la limite, la seconde chose, c'est de calculer la limite. Et là, la limite, on n'est pas sûr de trouver une limite. Et si on ne trouve pas de limite, l'intégrale n'existe pas. Voilà, parce qu'en fait, ça diverge. Mais si on trouve une limite, c'est-à-dire qu'on trouve une valeur k appartenant à R, ça veut dire que bon, là, on peut, là, voilà, la limite existe et elle est intégrable, la fonction est intégrable. On sait calculer l'intégrale, donc la transformée de Fourier ou de Laplace existeront dès le moment où les fonctions sont intégrables, c'est-à-dire intégrales. On sait calculer les intégrales, c'est-à-dire que leurs intégrales convergent. Elles ne divergent pas, parce que si elles divergent, on ne sait pas calculer les intégrales, et donc les transformées, aussi bien de Laplace et de Fourier, n'existent pas. Mais, donc, en fait, il y a des critères de convergence, notamment Cauchy pour le transformé de Fourier, qui permettent de dire, bon, si on a une forme sommable de l'intégrale ou pas. Bon, donc, la transformée de Fourier, elle est là. C'est valable aussi bien pour des signaux répétitifs que des signaux non répétitifs. Ça, c'est valable pour des signaux répétitifs que pour des signaux non répétitifs. Par contre, ce qu'on va faire, quand on aura des signaux répétitifs, on va préférer utiliser la transformée de Fourier. Voilà. Alors, je vous rappelle que E-PT cache un 6. Un 6. On est en plein dans les complexes. Hein. Voilà, ça cache un 6 moins PT. Et là, E moins J oméga T, ça cache un 6. Oui, ici, il faudrait que je le mette moins PT. Non, ici, il faudrait que je mette P est égal à alpha plus bêta J. Je ne peux pas écrire ça comme ça. Il faudrait que je le mette plutôt autrement. Comme ceci, je vous montrais. Moins PT, P c'est alpha plus bêta J. Bien sûr, PT c'est alpha plus bêta J fois T. Donc on aurait 6 alpha plus bêta J. T. Donc c'est égal à 6 alpha t fois 6 bêta jt. Bon, ça donne des exponentielles. Hein. Voilà, ça c'est comme on a un réel ici, là c'est e de alpha t. Bien sûr, il y avait un moins, il me semble. Oui, il me semble bien. E moins alpha t, il y avait un moins quelque part. Ça, c'est pété. Mais là, c'est moins pété. Donc, je vais mettre un moins, un moins, un moins, un moins bêta jt. C'est la multiplication de deux exponentielles. Donc, vous voyez que les exponentielles seront des cosinus sinus. Ça sera cosinus moins. Voilà, ce sera des cosinus et des sinus. Donc, on va jongler entre les exponentielles et les cosinus sinus, ou des cosinus sinus vers les exponentielles. Voilà, les transformées de Fourier, et de Laplace, et voilà, fond, c'est. Voilà,
ces passages. Ils font ces passages. Donc, bien qu'il y ait une exponentielle, il y a du cosinus sinus caché derrière tout ça. Et justement, la transformée de Fourier permet de calculer ce qu'on appelle la série de Fourier. La série de Fourier, ben, va faire appel justement à une suite contenant du cosinus et sinus, cosinus et sinus. Bien sûr, avec chaque fois un coefficient devant. Hein. Et voilà. Donc là, on a le signal, on a une onde électromagnétique, et on peut de cette onde, ça c'est S de t, bien sûr, on peut trouver la transformée de Fourier ou la transformée de Laplace. Mais ici, il s'avère qu'il est répétitif, donc on va plus utiliser, si vous voulez, la transformée de Fourier. Et là, on parlera plutôt de série de Fourier. Alors, une série, je vous rappelle que c'est une somme. Hein. C'est une somme. Alors, on aura une somme, mais dans cette somme, il faudra résoudre une intégrale. C'est juste ça. On a une somme. Bon, que vous partiez en k égale 1 ou k égale 0, il faut juste faire attention à la formule que vous allez avoir ici et adapter en fonction, bien sûr, de ceci. Il faudra adapter la formule. Si vous trouvez par rapport à k égale 1, si vous voulez k égale 0, il faudra adapter. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la série, comment on va la trouver, cette série-là? Bien sûr, qui dit série, bon, c'est une somme infinie, hein. N égale 1, avec une tendance infinie. Voilà. Et cette série, bon, pour trouver ce qui est à l'intérieur, il y a des intégrales à calculer. Voilà. Alors, avant toute chose, avant de commencer mes calculs, donc j'ai vu le signal carré sous sa forme impaire. Je l'ai transformé en signal impair, forme impaire. Voilà. Alors, moi, ici, la dentie, je vais la transformer en signal sous sa façon forme impaire. Bon, mais sachez qu'on peut le calculer sous sa forme paire. Alors, en forme impaire, il y aura des sinus. En forme impaire, il y aura des sinus. Parce que je peux voilà, le traiter en forme paire. Si je le travaille en forme paire, il y aura des cosinus. Là, si je le travaille en forme paire, il y aura des cosinus. Bon, avant toute chose, donc ça, c'est le signal carré qui est utilisé, par exemple, dans vous voulez attaquer, voilà, je l'ai déjà expliqué, ça c'est, vous voulez mettre des bascules, vous mettez quatre bascules, vous voulez faire un compteur asynchrone avec quatre bascules, bah, vous mettez voilà, un signal horloge. Synchrone, je m'excuse, bascule, des bascules JK synchrone. J'en mets un deuxième. Si vous voulez faire 4 bits, vous mettez un compteur 54 bits, vous mettez 4 voilà, bascule JK. Et alors, il y aura deux portes E. Je vous le dis tout de suite. Il faudra raccorder deux portes E. Voilà, mais c'est pas ça que je veux voir, parce que là, il faudrait que je fasse le schéma complet. J0, K0, voilà, voilà la bascule 1. Ça, c'est enfin 0. Il en sera de même pour bascule 1, bascule 2, bascule 3. Avec, bien sûr, deux portes comme je vous ai dit. Il y a deux portes, deux portes E. Voilà, mais ici, on attaque ce qu'on appelle un clock. Il y a le clock. Un clock. Voilà, un clock. Enfin, il y a le clock, c'est le clock, signal d'horloge, qui doit venir attaquer, si vous voulez, voilà, la pin. La pin, je sais pas pourquoi j'ai mis un S ici. Bon, c'était un C que je devais mettre pour clock. D'ailleurs, je vais mettre en couleur pour le distinguer. Ça, là, c'est là où vient le clock. 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 Alors, un signal carré viendra, par exemple, synchroniser toutes les bascules au même moment. Donc, je vais remettre, voilà, ceci. Voilà. Bien sûr, après, il n'y a plus d'horloge, donc je peux effacer. Et donc, ça, c'est synchronisé parce que c'est une bascule. Voilà. C'est un compte. Si je câble tout correctement, pour faire un compteur, ce sera un compteur synchrone. C'est-à-dire que le clock synchronisera toutes les bascules au même moment. Donc, on aura un signal carré qui va arriver. Je ne le fais pas bien, mais voilà. On aura un signal carré qui va aller là, là-bas, là-bas. Et là-bas en même temps.
Donc, il va attaquer le cloque de la bascule JK. Bien sûr, la première bascule JK étant à haut. Ça, c'est un détail, hein. C'est pas ça que je vais expliquer. La première bascule est en haut. JK étant raccordé à l'état haut, 1-1. Voilà. Voilà. Mais ça, c'est pas le câblage. C'est pas, je vous explique, je suis pas en train de vous expliquer voilà, le compteur synchrone à 4 bits, mais c'est simplement pour vous dire que c'est synchronisé dans le sens où j'ai mis un signal horloge en même temps dans les quatre bascules. Donc les quatre bascules, vous travaillez tous les quatre en même temps. Tous les quatre en même temps, parce que. Mais c'est pas parce qu'elles travaillent en même temps que les signaux de sortie vont donner voilà, des signaux identiques, ça n'a rien à voir. Hein. Justement, il y a une logique qui est derrière tout ça. Il y a une logique. Et la logique, ça va être. Voilà, je le verrai avec vous un jour, la bascule synchrone, mais il y a une certaine logique derrière. Donc on n'aura pas des voilà, c'est pas parce que c'est synchronisé au niveau de l'horloge, tous en même temps, ils travaillent en même temps, que fatalement en sortie, ils donneront tous le même. Non, loin de là. Loin de là. Je veux dire, justement, on aura le comptage qui va se faire. On aura un comptage binaire qui va se faire. Donc le comptage binaire, ça veut dire qu'on n'aura pas forcément les bits partout. Une fois, il y en a un qui sera, supposons que lui, il est à 0. Au départ, il est à 0, 0, 0. 0, ben il est à 0. Ensuite, lui sera 1, 0, 0, 0. Puis voilà, ça c'est un binaire. Puis lui sera. Il va repasser à 0, lui. Et en fonction du flanc descendant de l'horloge, il va passer à 0. Voilà. Lui, il va passer à 1. Voilà. Et les deux autres sont toujours à 0. Donc là, on a le 2 binaire. Il a compté 2. Ensuite, le cycle suivant, ben, lui va se remettre à 1. Là, il est à 3. Voilà, il a compté 3. En fonction des flancs descendants, bien sûr, de l'horloge. Mais le but, c'est pas de vous expliquer ça. Et alors, il peut compter 1, 2, 3, jusqu'à 15. Parce que c'est un compteur binaire 4 bits. Donc, de 4, 2 exposant 4, ça fait 16. Et donc, il peut compter de 0 à 15. Et il va compter successivement 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et vous pouvez le resetter, voilà, le remettre à 0. Et il peut recomptabiliser après 0, 1, 2, 3, 4. Bien sûr, avec un timing donné par le cycle d'horloge. Hein, il ne compte pas, je veux dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est vraiment une régularité comme en musique. Hein. En musique, bon, vous devez avoir une certaine régularité quand vous faites bon le un temps. Qu'est-ce que c'est que le un temps en musique? Mais si on définit le temps aussi, le temps horloge, le temps, il faut le définir. Qu'est-ce que c'est qu'un temps? Est-ce que c'est ça? Voilà. Par exemple, si je donne, voilà, je vais donner un claquement de main. Un, deux. Ouais, ça c'est un temps par exemple. C'est mon temps que je viens de définir. Ben alors, si je fais deux temps, c'est deux fois un temps. Un temps, deux temps. Enfin, je m'excuse. Un temps. Je compte 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ça, c'est mon un temps défini qui va me compter chaque régularité temporelle entre les autres valeurs. Ben, chaque fois un temps. Pour passer de 1 à 2, j'ai un temps. Pour passer de 2 à 3, j'ai un temps. Maintenant, mon temps, je peux le définir comme étant un temps plus rapide. Voilà mon un temps. Voilà, donc ce qui veut dire que j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Eh bien, la synchronisation horloge, c'est la même chose. En fonction de voilà, la fréquence horloge, ben, donc en fonction voilà, de la période d'horloge, ben, je définirai mon temps. Voilà, donc il y a une fréquence, voilà, une fréquence de comptage. Bon, compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, ou compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas la même chose. Voilà. Et si vous prenez la seconde, c'est une définition. La seconde, c'est défini. Il est défini. C'est un temps de comptage qui va faire que. Qu'est-ce que c'est que la seconde? Ben, on a défini la seconde. Alors, on essaie d'avoir le plus de précision, bien sûr, en science, on essaie de définir la seconde le mieux qu'on peut. Voilà, avec des moyens modernes, technologiques modernes, et ça fait que les définitions changent en fonction de ce que la technique peut apporter et ce qu'elle va désirer prendre pour définir la seconde, qui va être des éléments beaucoup plus précis que, bien sûr, les temps que voilà, que l'histoire n'a apporté pour définir la seconde. Voilà. Alors, ceci étant dit, le signal carré était vu. Le signal carré peut être vu sous forme de. Donc,
voilà, de signal carré, donc étude de signal de manière paire ou impaire. Manière paire ou impaire. Bon. Alors, avant toute chose, il peut être vu, donc le signal carré peut être vu sous forme paire ou impaire. Avant toute chose, l'usage en électronique, hein, je vais faire un usage dans le domaine de l'électronique. L'usage du signal, parce que je veux voir, c'est pas le signal carré que je veux voir, parce que le signal carré, je l'ai déjà vu. Mais en format, sous sa forme impaire. Sous sa forme impaire. Donc ça donnait des sinusoïdes, si vous voulez. Je peux calculer sous sa forme paire sans aucun problème. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'usage. Donc, l'usage de, comment est-ce qu'on appelle ça, du signal en dents de scie. Parce que le but, c'est de voir le signal en dents de scie. Eh bien, le signal en dents de scie, c'est la base de temps, comme je viens de vous dire, hein, le comptage, c'est la définition de la base de temps des oscilloscopes. Voilà, c'est la base de temps des oscilloscopes. C'est la base de temps des oscilloscopes. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Créer une temporalité, une régularité au niveau du temps. Normalement, les signaux de carré, même les carrés peuvent faire une base de temps. Mais comment est-ce qu'on appelle ça, comment est-ce qu'on appelle ça, les signaux en dents de scie. Bien sûr, c'est le signal en dents de scie que je vais voir. Le signal en dents de scie. Pourquoi en dents de scie? Ben, comme son nom l'indique. Ça ressemble à, voilà, quand vous regardez là, une scie égoïne, ben vous avez ceci. Enfin, c'est plutôt, on va dire, comme ceci. Voilà. Et ainsi de suite, hein. Ce sont les dents d'une scie. Alors, vous avez. Voilà, la scie égoïne. Pour couper du bois. Eh bien, c'est pour ça qu'on dit signal en dents de scie, parce que les dents de scie, ça ressemble à ça. Alors, bien sûr, c'est utilisé. Un autre exemple, c'est signal de rampe. Un signal de rampe. Signal de rampe, bien sûr, signal de rampe, ben, c'est une rampe, ce qu'on appelle une rampe. Alors, je vous rappelle l'échelon unité. Si je prends l'échelon unité, hein, c'est-à-dire qu'on a un ici, ça c'est l'échelon unité. Si vous prenez une exponentielle, vous avez ceci. Et ça, c'est 1 e moins 1 moins 1 moins e moins t sur rc, constant de temps rc. Voilà, constant de temps rc. Moins t sur rc. Et alors, si le temps, on tend vers si la constante de temps, en fonction de la constante de temps tau, on peut se ramener, si vous voulez, à ramener, avoir un échelon. Voilà. L'exponentielle peut se ramener à un échelon unité en fonction de la constante de temps. On peut faire ça. On peut jouer sur la constante de temps pour ramener, si vous voulez, 1 moins E sur R, moins E moins T sur tau sur l'échelon unité. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'échelon unité. L'échelon unité. Et ça, c'est la rampe. Alors,
Là, on a notre T0. Voilà. Et on peut avoir un signal de rampe grâce à la dentille. Donc là, c'est un signal qui est non répétitif, utilisé dans, si vous voulez, dans les automatismes de puissance pour élever, si vous voulez, linéairement les consignes. Alors, on peut passer de l'un à l'autre. Hein. Bon, pour ça, pour passer de l'un à l'autre, ce qu'il faut faire, je ne vais pas prendre un échelon unité, à ce moment-là, je prends un échelon K. Je prends un échelon K. Je prends un échelon K. Pour moi, tant qu'il me fasse apparaître, voilà. L'échelon K. Bon, ça veut dire que j'ai plus une unité, c'est plus l'échelon unité, mais là, j'ai K. Alors comment avoir à partir de l'échelon K une rampe? Voilà. Comment avoir une rampe? Eh bien on va tout simplement faire une intégration. On va intégrer, faire une intégration suivie d'un écrêtage. On va mettre un écrêteur derrière. Enfin, on va faire une intégration. Bon, je vais marquer en grand. Je vais marquer normalement parce que c'est vrai que j'ai des difficultés à écrire. Donc, on va faire ce qu'on appelle une intégration plus on va faire un écrêtage avec un écrêteur. Un signal d'écrêtage. Voilà. Bon, alors la constante K, c'est la tension VK. C'est une tension, par exemple, que je vais appeler V. Tension V max. Voilà, c'est une tension V max. Donc, on sait l'avoir par une intégration suivie d'un écrêtage. Donc, les opérations sur les signaux, pour passer de l'un à l'autre, je fais l'opération d'une intégration mathématique suivie voilà, d'un écrêtage. Donc, ce qui veut dire que l'intégration, je l'aurai, bien sûr, si je fais Vmax. Vmax dt, je vais l'intégrer entre les bornes 0 et t, donc de là, je dirais t0, ouais, jusque t, on va dire t, et de t, voilà, de t1, t2, t1, t2, bon, je vais mettre les bornes d'intégration, c'est parce que j'ai fait un mélange ici avec le dessin. Et la borne d'intégrale, donc je vais reculer ceci. T1 égale 0 ici. Hein. J'ai pris le T1 égale 0, voilà. Voilà, je vais mettre les axes au niveau temporel. Voilà. Et je vais m'arrêter ici en Vmax. Parce que ça pourrait monter, hein, mais il faut un écrêteur pour le stopper. Voilà, par après. Donc l'intégration ne suffit pas. Sinon le signal va continuer à monter. Bon, Vmax dt. Alors ça, si j'intègre, ça fait le Vmax, je peux le sortir du sein intégral. Donc ce qui fera Vmax fois t entre les bornes 0 et t.
Si je vais jusqu'en T2. Donc j'aurai Vmax T2. Vmax fois T2. Il me semble qu'il manque un demi. Est-ce que c'est bon? T2 moins T0, ça fait 0. Intégrale de DT, ça fait bien T. Oui, donc c'est bien une droite. Donc Vmax. Il me semble qu'il y a une petite erreur. L'intégrale de dt c'est bien t, hein, t. Donc l'intégrale de dt c'est bien t. Donc je fais bien t2 moins 0, ce qui fait bien t2. Donc j'ai Vmax fois t2. Donc y. Le nouveau signal, ici, je vais mettre en couleur. Hein, S' de t égale Vmax fois t2. Fois t, on va dire fois t. Si je veux m'arrêter en T, bon, je peux m'arrêter en T à n'importe quel moment en T. Donc ce sera Vmax fois T. Vmax fois T. Donc en n'importe quel temps, je peux trouver où est le signal. Je fais voilà, 3 secondes fois Vmax, 4 secondes fois Vmax, 5 secondes fois Vmax. Voilà. Mais là, on va s'arrêter en Vmax. Donc ce qui veut dire, si voilà, pour avoir Vmax, il faut que T soit égal à 1. Si je veux m'arrêter en Vmax ici, mais ici le temps doit valoir 1, T2 doit valoir 1, parce qu'une fois Vmax, ça fait Vmax. Donc ce qui veut dire que le coefficient angulaire vaudra Vmax, parce que Vmax sur 1, le coefficient angulaire c'est Vmax. Le coefficient angulaire c'est côté, on aura alpha, côté opposé à alpha sur côté adjacent. Or, le côté opposé vaut Vmax et le côté adjacent vaut 1. Vmax sur 1, ça fait Vmax. Voilà, donc on a créé, si vous voulez, à partir du signal d'échelon, voilà, de valeur Vmax, via une intégration et un écrêtage, ben, on crée voilà, le signal de rampe, qui est un signal en dents de scie, mais non répétitif. Il est non répétitif, là. Il est non répétitif. Alors, si vous voulez un signal en dents de scie, un signal en dents de scie, comme je vous ai montré, là, il faut faire agir un condensateur, hein, en charge et en décharge. Donc décharge, charge, décharge, charge, en respectant bien sûr une constante de temps. Voilà. Et alors, bien sûr, on aura toujours ceci, parce que ceci, pour avoir ceci, ce ne sera pas possible. Voilà. Bon, on essaiera de l'atteindre, mais ce ne sera pas. Voilà. Ça, c'est. Voilà, on est dans. Il faut voir l'impossibilité qu'on a de, je veux dire, d'avoir parce que si vous voulez le dv sur dt d'un condensateur pour qu'il soit infini, il faudrait un courant de charge, un courant de charge égal à donc c dv sur dt, voilà. Qui lui doit être infini. Pourquoi? Parce que dv sur dt est infini. Voilà, donc il faudrait un courant infini. Et ça, c'est pas possible, je veux dire, d'avoir ça. Donc les signaux en dents de scie sont formés la plupart du temps par, si vous voulez, des charges et charges d'un condensateur.
Et si vous voulez, il n'est pas possible de changer instantanément la tension sur un condensateur. Donc cela signifie que, pour éviter un courant, parce que cela signifierait justement, si on avait un, comment est-ce qu'on appelle ça, il n'est pas possible de changer, si vous voulez, instantanément la tension sur un condensateur, parce que ça signifierait qu'on aurait apporté un courant de charge infini, or ce qui n'est pas possible, comme je viens de vous le montrer ici. Donc, c'est-à-dire que la dente scie, physiquement, possède donc des flancs non nuls en durée. Et on retrouve ça, par exemple, dans les téléviseurs, dans la bobine de déflexion verticale. Voilà. Par exemple, si je prends dans le téléviseur, on a 50 trames par seconde. Et avec un retour de trame. On a un retour de trame. Donc ce qui fait au total 19. 19 pour faire ça, 19 millisecondes et un retour de trame d'une milliseconde. Ce qui fait au total 20 millisecondes. Et 20 millisecondes, c'est le 50 Hz. On a 20. Au total 20 millisecondes, qui est composé de 19 millisecondes et d'une milliseconde pour descente. 19 millisecondes pour monter et une milliseconde pour descente. Donc, et ça, c'est dans les télévisions, les anciennes bobines à déflexion. Donc, voilà. Il y avait voilà, le balayage horizontal et le balayage vertical. Voilà, balayage horizontal, balayage vertical. Et la bobine qui permettait de faire le balayage vertical, je vous rappelle que vertical, c'est de haut en bas, de haut en bas, hein, pendant qu'il y a le balayage ligne, il faut balayer en ligne, mais en même temps, il faut descendre d'un cran. Donc voilà, on va de gauche à droite, puis la bobine de déflexion joue, elle redescend. Voilà. Puis voilà, il y a une extinction du spot, bien sûr, pour revenir sur la gauche. Puis il est reparti. Une extinction du spot. Il est reparti ici. Et là, vous avez toutes les trames pour faire l'image. Bien sûr, toutes les trames en 24 images secondes. Voilà. Et on évite justement comment ça s'appelle ça, un effet de. Pour bien voir l'image, on fait des artifices pour bien voir l'image. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc on a une image carrée, enfin rectangulaire, sur le téléviseur qui est rectangulaire. Et là, on a des balayages dus à des bobines. Elles sont quand même jointives, elles sont quand même serrées. Hein. Elles sont serrées. Bon, ici, je les fais quand même grandes. Bon, c'est pour aller un peu plus vite. Voilà. On a les trames comme ceci. Et donc, dans les anciennes dans les anciennes téléviseurs, on avait deux bobines. Une bobine de déflexion qui permet peut-être de faire la déflexion verticale. Voilà. Et on avait une seconde bobine qui permettait de faire la déflexion gauche vers droite, horizontale. Donc il y avait les bobines de déflexion horizontale et des bobines de déflexion verticale. Donc là on avait une dente scie lorsque on avait la bobine de déflexion verticale qui agissait, on avait voilà,
50 trams par seconde, ça c'était pour le 19 millisecondes. 50 trams par seconde pour le 10, voilà, pour le 19 millisecondes. Bien sûr, avec le retour de tram d'une milliseconde. Donc on avait bien notre 50 Hz. Alors. Bon, justement, quand je dis 50 trams par seconde, l'électronique permet d'aller rapidement. On a utilisé l'électronique, justement, c'est pour la rapidité des signaux. Hein. Voilà. Alors, pour avoir la triangulaire que je ferai dans une autre vidéo, ben, il suffit que le flanc montant soit symétrique au flanc descendant. Il suffit que le flanc montant, s'il est symétrique au flanc descendant, vous avez la triangulaire. Voilà. Et la triangulaire, c'est le signal de base pour la synthèse des sinusoïdes à l'intérieur des générateurs basse fréquence de laboratoire. Bon, je vais calculer donc comment ça s'appelle ça, la série de Fourier. Je l'ai déjà fait en partie, hein. C'est pas un problème ça. Ça va aller très vite. Donc je vous ai dit que là, j'ai déjà calculé la série de Fourier pour un signal carré, pour une forme d'onde impaire. Et si je calcule la série de en dents de scie, la série de Fourier pour en dents de scie pour un signal impair. Alors la série de Fourier, je vous rappelle que c'est ceci. Bien sûr, je l'ai calculé directement. Hein. Ça provient d'une série suite mathématique où on parle de convergence de la série pour qu'elle soit calculable. Voilà, et donc elle est formée, si vous voulez, en gros, d'une sinusoïde et d'une cosinusoïde. Voilà. Voilà, donc on a ceci et ceci. Bon, il y a juste une petite erreur là. Non. Ouais. Donc ce qui veut dire ici, dans ce cas-ci, on a une tension moyenne. Enfin, grandeur moyenne, ici, comme je parle de tension, ce sera une tension moyenne, qui est 1 sur 2 pi intégrale sur la période S de T dt. Mais la période, cette calcul-là n'est pas obligé d'être fait, parce qu'en fait, on peut le voir directement à partir de graphique. Alors, par exemple, si je prends le signal carré, si vous prenez le signal carré, j'en prends une période. Bien, vous voyez très, très bien que si je calcule l'air ici et l'air là, ben, si je fais la moyenne, RA1 plus RA2 divisé par 2, ça fera 0. Parce que l'air là est l'opposé de l'air là. A2, voilà, A1, A2 égale moins A1. Donc ce qui veut dire que il n'y a pas besoin de calculer l'intégrale, hein, vous voyez par le dessin. Le dessin permet de vous dire que la moyenne vaudra 0 ou une certaine valeur. Bon. Donc on calcule la valeur moyenne qui est ici. Et bien sûr, des coefficients qui vont dépendre de k ou de n, peu importe. Hein. Ici, j'ai pris n, voilà, qui est variable, n variable, je peux mettre k, k ou n. Moi, dans les calculs, je mettrai k. Mais ici, j'ai mis n. Dans la suite de la série de Fourier, quand il étudie, voilà, ils mettent des AN, BN. Avec, bien sûr, c'est une suite, hein, ça vient d'une suite, je vous le dis. C'est une suite. Alors, on doit traiter le signal qui est S de T. Le signal est là. On traite le signal et puis on fait intervenir les cosinus et sinus pour avoir justement une somme de sinus ou de cosinus comme on veut. Alors, voilà, on a un coefficient AN qui est 1 sur pi intégrale sur la période S de T, cosinus oméga 0 T. N oméga 0 t, attention qu'il y a n, et là c'est la même chose, c'est 1 sur pi intégrale de 0 à t de s de t, sinus, cette fois-ci c'est le sinus, il y en a un c'est le cosinus, il y en a un c'est le cosinus, et l'autre c'est le sinus, c'est la même chose. Et alors on a toujours notre fameux n dedans, hein, n oméga 0 t dt. Voilà, donc il y en a un c'est le cosinus et l'autre c'est le sinus, bon, ce n'est que ça. Voilà, c'est juste ça. Alors, maintenant, le tout, c'est de simplifier les choses, c'est de voir si la fonction est paire ou impaire. Alors, si une fonction paire, je vous rappelle qu'une fonction paire, c'est quand. Oui, je voulais rajouter juste une petite chose avant de parler de ça, de la parité. Un signal non répétitif,
un signal non répétitif par rapport à un signal répétitif. Là, le contenu fréquentiel, il sera continu. Ça veut dire qu'il y aura des raies spectrales pour quelle que soit la valeur de fréquence, on aura une raie spectrale. Voilà. Alors que pour les spectres de signal répétitif, là, on aura des spectres discontinus. Ce qu'on appellera ça des harmoniques. Des harmoniques. Voilà. Donc là, on aura du continu, des raies continues. On pourra trouver, pour quelle que soit la fréquence, on pourra trouver, je dirais, voilà, une valeur de signal, d'intensité de signal en normes. Pour éviter avec sinus, je vais pas écrire, je vais marquer S de T. Voilà. Voilà, donc je peux avoir en fond pour S de T en norme, ben, je peux avoir voilà, un contenu fréquentiel qui sera ici des raies spectrales. Et donc toutes les raies ne seront pas présentes parce qu'elles sont discrètes. On a des raies discrètes. Alors que là, c'est présent partout pour les signaux non répétitifs. Et pour un signal répétitif, là, on aura des raies. Parfois, il y en aura même des impairements quand, des paiements quand, peu importe. Mais toutes les raies spectrales n'y seront pas forcément toutes. Elles ne seront pas forcément toutes paires ou toutes impaires ou tout simplement les paires et impaires existent. Voilà. Il y aura des cas de figure en fonction du calcul que l'on fera. Et là, c'est du discret. Alors, on étudie donc bien sûr la norme de S de T en fonction de la fréquence. Ça, c'est faire de l'analyse spectrale ou la phase en fonction de la fréquence. Diagramme norme fréquence, diagramme phase fréquence. Ici, on étudie la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée et qu'on en met le logarithme, c'est ce qu'on appelle étudier le gain. Étudier le gain en fonction de la fréquence. C'est le signal de sortie par rapport à un signal d'entrée pour lequel on a pris le logarithme. Là, on étudie le gain par rapport à la fréquence. Et alors, on peut étudier aussi le déphasage. Déphasage, par exemple, là, j'aurais un déphasage en fonction de la fréquence, voilà, qui passerait par exemple, hein, de pi demi à moins pi demi. Là, il y a des asymptotes avec un passage au milieu ici par zéro. Donc, vous voyez qu'en fonction de la fréquence que vous avez changée, ben, la phase change. Tout comme le gain peut changer aussi. Le gain, il peut changer. Il peut rester constant à un moment donné, il peut changer et diminuer avec une certaine pente. Voilà, donc. Maintenant, je retourne vraiment à mon calcul. Je vais faire mon calcul parce que c'est vrai qu'il serait temps, plus que temps. Je peux avoir des fonctions paires. Une fonction paire, c'est quand vous avez dans tous ces domaines, hein, parce que si vous prenez un rond, ici, il n'est pas défini, là, il est défini. Là, il faudrait retirer le rond pour restreindre le domaine. Mais bon, moi, je prends dans tout son domaine. Je considère que dans tout son domaine, voilà, il est pair. Si on a, bien sûr, si je prends un T, moins T, F de t est égal à f de moins t. Là, c'est pair. Ici, c'est s. Si s de t égale à s de moins t, la fonction est paire. Maintenant, si elle sera impaire, donc la conséquence, c'est qu'on a une symétrie par rapport à l'axe OY. Donc, par rapport à l'axe de s de t. On a une symétrie par rapport à l'axe là. Je l'ai mal fait. Je sais pas pourquoi je dérape à chaque fois. Par rapport à l'axe des ordonnées. Là, on aurait une symétrie par rapport à cet axe-là quand la fonction est paire. Et quand la fonction est impaire, ben, on a une symétrie par rapport à l'origine. O du repère. Là, bien sûr, vous aurez compris que j'aurai ça, par exemple. Ça. Je prends un T. J'en prends son opposé et je remarque que S de T est égal à moins S de moins T. Oula, plus de place pour écrire. C'est une difficulté d'écriture là. Donc, je vais l'écrire ici. Donc si je prends ça, j'aurai S de T. Là-bas, j'aurai S de moins T.
bien, on aura S de moins T est égal à l'opposé de S de T. Voilà, ça, c'est fonction impaire. Et alors, moi, je vais traiter la dent de scie par une fonction impaire. Alors, comment? Tout d'abord, si la fonction est paire, ce n'est pas le cas ici, hein. Si la fonction est paire, voilà, si la fonction est paire, on aura, j'aurai à n, ici je ne veux pas traiter la fonction, comment on appelle ça? Je vais la traiter sous forme de fonction impaire. Bon, il faudra que, pour ça, au niveau de la parité, donc on a bien 2 pi à n. Oui, donc ici c'est pour une fonction normale, hein. Qu'elle soit paire ou impaire, on s'en fout. On a ça. Ça c'est toujours d'actualité parce que je crois que c'est même une copie qui vient d'ici. Non. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les formules généralisées. Donc, les formules généralisées, je les ai recopiées ici. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, je vous disais qu'il y en a un qui va donner un cosinus. N de t. Non, c'est le coefficient a n, je m'excuse. C'est le coefficient a n. Et ça, c'est le coefficient bn. Voilà, ce sont les coefficients dans la suite. C'est les coefficients de la suite. Voilà. C'est les coefficients de la suite. Donc c'est juste le A, N, L, B, N, ceci. Qui vont rentrer bien sûr dans la série. Hein. Dans l'écriture de la série, il faudra que bien sûr je calcule ce BK. BK, et puis je fasse multiplier par sinus. Voilà, dans la série, ce qu'il faudra que je fasse. Dans la série, ce sera A0 plus la somme de pour K, ça c'est la série, K égale 1 jusqu'à l'infini. De BK, voilà, sinus K oméga 0 T, voilà, et ça c'est la série de Fourier, voilà, c'est bien la série de Fourier, V de T, pour un signal impair. Donc, signal impair, vous aurez du sinus si vous voulez, c'est ce que ça veut dire. Signal impair, vous aurez du sinus. Mais il faut calculer un BK, et je vous donne les coefficients BK. Voilà, alors si maintenant vous avez un signal pair, normalement, hein, si je ne dis pas de bêtises, si je raconte pas de bêtises, c'est A0 plus, c'est un peu la même chose, l'infini, là c'est AK, cosinus, K oméga 0 T, là, et là on a, et là on voit bien la série qu'on a, hein. Dans la série de Fourier, les suites sont traitées avec ceci. Les suites, c'est ceci. On a introduit la suite ici. Bon, je vais l'écrire. Hein. Je vais l'écrire parce que c'est vrai que. Je vais l'écrire. La suite, pour voir si les convergentes qu'on étudie bon, dans les séries de Fourier et qui étaient prises dès le départ, c'est justement ce que je viens de marquer. C'est. Je sais plus ce que je l'ai mis. Je vais bien le réécrire, c'est pas un problème. C'est pas un problème. On a introduit une suite qui est, si vous voulez, on étudie la suite AK plus BK. Voilà, il y en a un, ce sera un cosinus. Oméga 0 T. Bien sûr, avec un K dedans.
un cas variable, hein, suivant la parce que c'est une suite dépendant de cas. Voilà. Voilà, et ça c'est la suite UK. Que je développerai, je vais développer plus tard. Je vais développer plus tard. Voilà. Sinus K oméga 0. Bon, et comme on a ici de l'impair, voilà, une fonction impair, on n'aura que ceci. Voilà. Voilà. Si on a une fonction paire, on n'aura que ceci. Voyez que, donc là, j'aurai pas de cosinus parce que c'est une fonction paire. Bien sûr, il y a un A0 à tenir compte, ça vous l'avez remarqué. Voilà. Et donc, c'est ça qui est ici. Le AN, d'après ce que je viens de vous dire, le AN ici, la fonction est paire. On aura du AN. Voilà. La fonction est paire, on aura du AN. Oui, on aura du AK. Donc le BK vaudra 0. Si la fonction est paire. Voilà, c'est ça. Et là, bon, si la fonction est paire, bon, on peut la calculer. Bon, comment elle est paire. Je la calcule de 0 à pi, par exemple. Et puis je fais x2. x2 parce que la partie gauche est égale à la partie droite. Donc je calcule de 0 à pi une fois et puis je fais x2. Donc j'aurai 2 sur pi, intégrale de 0 à pi, s de t. Cosinus n de t. Voilà. Ça, c'est la fonction est paire. Mais ce n'est pas le cas ici, donc je ne traite pas la fonction, une fonction paire. Hein. J'aurais pu la faire en fonction paire. Mais ici, je vais le traiter en fonction voilà, impaire. Bon, donc ça ne m'intéresse pas, puisque je ne vais pas faire ça. Par contre, là, je vais traiter en fonction impaire. Là, qu'est-ce qui vaut 0? Je viens de le voir. Là, cette fois-ci, j'aurai un bk sinus k oméga 0t, ce qui veut dire que là, ak vaut 0. Ak vaut 0. Donc, an vaut 0, c'est ce que ça veut dire. Voilà, an vaut 0. Donc, ceci vaut 0 pour la fonction impaire. Bon. Et alors là, il faut que je calcule bien sûr le A0, je le calcule après. Et alors ici, je vais calculer de 1 à pi sur une période. Si je calcule de moins pi à pi, voilà, de moins pi à pi, je calcule, si vous voulez, de 1 sur pi. Je calcule 1 sur pi. J'aurai le coefficient 1 sur pi. Voilà, mais si vous faites pour l'impair, si je calcule cette fois-ci de 0 à pi, 0 à pi, c'est la même chose, mais que de moins pi à pi, mais je dois faire x2. Je dois faire x2. Donc j'aurai, si vous voulez, deux fois 0 à pi. Voilà. C'est ça que je calcule comme intégrale. L'intégrale donc de 2 sur pi, intégrale de 0 à pi, de sinus de nt dt. Bon, ça c'est pour la fonction paire, et c'est comme la fonction est bien impaire, je vais commencer le traitement. Il faut définir le signal. Le signal, c'est, bien sûr, vous aurez compris que c'est Vmax, je vais appeler Vm. Voilà, c'est Vm. Je dois définir le signal, je vous l'avais dit dès le départ. La première chose à faire, c'est de définir le signal. Vm. Voilà, sur T, Vmax sur T0, voilà, T0. Alors, compris entre 0 et T0, ben, voilà, je définis ma fonction d'Hondt-Cy
de 0 à T0. Bon, T0 ici qui vaut pi. Voilà, qui vaut pi. Voilà, de 0 à pi. Alors, je définis le coefficient angulaire delta y sur delta x, qui vaut bien sûr Vm sur T0. Voilà, donc, et je connais S de 0, S de T égale 0, ça fait 0. Donc, à l'origine, j'ai T0 égale 0. Pour T0 égale 0, j'ai S de 0, S de T0, ça fait S de 0, ça fait 0. C'est la même chose, hein. S de T0, c'est égal S de 0 égale 0. Voilà. Donc en fait, on a une équation qui est de la forme y égale x plus b, avec b égale 0, c'est-à-dire que y égale ax. Bon, elle passe par l'origine. Bien sûr, elle s'arrête en T0. C'est un segment. C'est pas une droite, c'est un segment. C'est un segment de droite qui va de 0 à T0 pour l'axe de temps. Pour l'axe de temps. Ici, bien sûr, c'est l'axe de S de T. Et là, il va jusqu'à une valeur max que j'appelle Vm pour V max. Donc l'équation de droite va s'écrire comment? Ben, elle va s'écrire S de T est égal à Vm sur T0 fois T. Voilà, définit la fonction signal en dents de scie, bien sûr, de 0 à T0, c'est-à-dire 0 à pi. Bon, mais c'est à partir de là qu'il faut calculer tout ça. Alors, je prends la page suivante. Voilà, je calcule maintenant la moyenne. Alors, la moyenne, on peut le voir grâce à. Vous voyez, vous avez le signal en dents de scie qui est là. Bien sûr, de 0 à T0, hein, c'est ce que je viens de faire, c'est le segment de droite. On a 0 là. Enfin, je vais mettre en rouge. Voilà, et Vm ici. Vm est là. Là, on a S de T, bien sûr, sur l'axe des. Voilà, et là on a Vm. Ouais, je l'ai mis ici. Ouais, Vm il est là. Voilà, et donc je peux savoir connaître sans calculer, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, la moyenne. Parce que voilà, la moyenne, on sait la trouver facilement. C'est la tension là, divisé par 2. Donc c'est Vm sur 2. On sait le voir sous forme de dessin. Sous forme de dessin, on sait le voir, la tension moyenne. On sait le voir. Bon, de toute façon, même si vous ne le voyez pas, je l'ai calculé. C'est pas un problème. Vous calculez là, ici, le A0, ce qu'on appelle le A0, qui est la tension moyenne. Voilà, le A0. Ben, comment on le calcule? Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, là. Je vous ai mis la formule de la moyenne. Elle est là, la formule de la moyenne, elle est ici, en blanc. C'est ce que vous voyez, A0 égale 1 sur 2 pi, intégrale sur toute la période de S de T dt. C'est tout, je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Donc je calcule, mais S de T est connu, puisque S de T, il est défini ici. Vm sur T0 fois T. Bon, T0, je prends pi. Hein. Vous aurez compris que c'est pi. T0, c'est pi. C'est 2 € à pi. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour le voir sur le diagramme, sans calculer, mais là, moi je le calcule quand même. Donc je fais l'intégrale de 0 à, bien sûr, sur la période 0 à pi, de S de T dt, T égale T0 égale même pi, si je pourrais mettre pi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ben, Vm étant une constante, Vm sur T0 étant une constante, il sort du signe intégral. Voilà ce qui fait. T0 fois T0, ça fait T0 carré, donc j'aurai du T0 carré. Le V max il est là, voilà, et j'intègre 0 à T0 la fonction T dt. Bon, et ça c'est facile, c'est T carré sur 2. Donc j'ai Vm sur T0, au carré bien sûr, entre les bornes 0 et, T0 et 0, ce qui fait qu'on aura Vm T0 carré sur T0 carré, ce qui fait Vm sur 2. Je simplifie ces deux-ci, il reste Vm sur 2. Et donc, c'est bien ce que je vous ai dit. La moyenne faisait bien Vm sur 2. Voilà. Donc, je le vérifie sur graphique, mais je le calcule aussi. Bon.
La suite, bon, on a notre A0. Notre A0, maintenant, il est déterminé. Bon, je simplifie les calculs en mettant que le AK, vous savez que bon, c'est une fonction impaire. C'est une fonction impaire. La fonction impaire induit que deux choses. Ben, que AK vaut 0, hein, et que BK, ben, je calcule de 0 à pi. Voilà. Mais à ce moment-là, je dois mettre un 2. Je fais 2. Et je dois calculer S de t sinus de KT dt. Bon, je calcule l'intégrale là. J'applique les formules, hein, c'est juste ça. Bon, voilà. En sachant que j'ai une. Voilà. J'ai une fonction impaire. Bon, la ligne suivante. J'intègre, je fais l'intégrale, je cherche mon BK par rapport à ce que je viens d'écrire. Je vais chercher mon BK. Donc c'est 2 sur pi intégrale de 0 à pi s de t sinus de kt dt. Le sinus, il vient de la formule de, voilà, de série de Fourier. Donc je mets mon s de t. Mon s de t, vous le retrouvez ici. Sinus de kt, là, dt. Entre 0 et pi, mon fameux 2 sur pi, il est là, ma constante. 2 sur pi. Intégrale de. Oula, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Bon, je vais le faire avec. Voilà, mon 2 sur pi est ici. Ma fonction s de t, elle est là. S de t. Et après, il faut. Ceci s'est imposé par transformée de Laplace. Transformée de Fourier, je m'excuse. La série de Fourier. La transformée de Fourier. Bien sûr, dt. On va calculer cette intégrale. Bon, avant toute chose, je sors le Vm. Bien sûr, c'est V petit m. Hein. Bon, ici, j'ai mis V petit grand M, c'est V petit m. V petit m. Donc, je sors tout du signe intégral. Ça fait de Vm sur pi. T0, bien sûr. Et il nous reste tout ce qui est fonction de t, parce que je vais intégrer par rapport à la variable t. Donc, on a t ici et t là. Donc, là, ce sont des variables. Il faut intégrer par rapport aux variables t. Voilà. Alors, je vous rappelle que t0, normalement, c'est de 0 à pi. Hein. C'est pi. Ici, j'ai pris t0 égale pi. Hein. Donc, il va y avoir des simplifications. Ce n'est pas un problème. Bon, je calcule la ligne suivante. On a une intégration par partie. Je vous le dis tout de suite. C'est t sinus alpha t. Alors, je prends f. F c'est t, et g prime c'est sinus alpha t dt. Là c'est le traitement de l'intégration. Alors si t vaut f, si f vaut t, f prime vaut 1, si g prime vaut sinus alpha t, l'intégrale de sinus c'est moins cosinus. Et ne pas oublier, comme on a une constante alpha t, ben, ça va au dénominateur. Et si vous dérivez g, ben, vous aurez g prime. Si, voilà. Et si vous intégrez 1, vous aurez t. Donc tout est bon là. Alors maintenant je fais la formule f fois g. Je vais chercher le f qui est t, le g qui est moins cosinus alpha t sur alpha, moins cosinus alpha t. Le moins je le mets là, hein, sur alpha. Moins cosinus alpha, moins t fois cosinus alpha t sur alpha, bien sûr entre les bornes 0 pi. Hein, bon, vous aurez compris que. Voilà. Et puis il faut qu'on intégrer moins l'intégrale de f' g. Alors f' c'est 1. Et g, ben, je vais chercher g moins cosinus alpha t sur alpha. Moins cosinus alpha t sur alpha. Bien sûr dt. Hein. Pas oublier votre dt. Bon. La ligne suivante, ben, je fais que recopier. Voilà. Je recopie. Moins, voilà, entre 0 et pi. Là, c'est une copie, hein, de ce que je viens de faire. Alors, j'ai moins par moins. Le moins ici et le moins là, ça fait plus que je mets là. Et je dois intégrer, bien sûr, entre 0 et pi et chercher les bornes d'intégration de. Le moins, je le sors là. Je le sors là. À la rigueur, je pourrais faire, si vous voulez. Moi, je peux faire ceci, hein, c'est pas un problème.
Bon, je vais enlever le. Ça, c'est pas à moi, c'est une trace, c'est juste une trace, c'est pas à moi. Et ça, le plus, il faut que je l'enlève. Donc, c'est comme si je faisais ceci. Voilà. Oui, ça, il faut que j'efface. Je reprends à partir d'ici. Hein, c'est pas... ça, je reprends, je vais retirer ceci. Bon, alors, maintenant. Je vais repartir à partir de là parce que bon, je n'ai pas encore terminé. Hein. J'ai encore continué. Ouais, de toute façon, j'arrive proche de la fin. De toute façon, on n'y est pas loin. Hein. Bon. Je n'ai pas besoin. Bon. L'intégrale de cosinus alpha t sur alpha. Je vais ressortir le alpha. Simplement, il y a quelque chose qui me gêne. Parce que là, vous aurez compris que le alpha, c'est quoi, hein? Le alpha, c'est le k. Je vais revenir en k. Et vous voyez, j'ai mis alpha t, mais c'est k. J'ai repassé par une variable alpha. Mais c'est mon k. Donc, je vais revenir en k. Bon, j'ai changé de variable. Bon, c'est pour traiter l'intégrale, c'est juste ça. Mais ça, je peux l'écrire si vous voulez. Je vais l'écrire autrement avec les cas, en faisant revenir les cas. Les cas. C'est pas celui-là. Là où j'ai mis les cas, c'est ici. Bon, il n'a pas pris en copie. Je recommence ma copie. L'intégrale de cosinus kt, ben c'est simple. Hein. L'intégrale de cos, la dérivée de sin, c'est cos, donc c'est sin. Voilà. Alors c'est sin kt sur k. Sin kt sur k. Mais attention qu'il y avait déjà un k auparavant. Il y avait déjà un k ici. C'est ça, il faut que je remette. Hein. Voilà. Entre les bornes 0 pi. Moi, et là, je vais remplacer par les bornes 0 pi. On aura pi cos kpi sur k moins 0 cosinus 0 sur k. Voilà. Ça fait 0. Cos capi, ça fait 0. Donc tout ceci fait 0. Tout ceci fait 0. Ben, ça va, ça nous va nous simplifier. Il va nous rester
Sinus. Non, je raconte une bêtise, ça fait pas zéro. Celui-ci fera 0. Oui. Sinus de 0, il fera 0. Et sinus de capi. Capi fait 0. Sinus de capi, c'est lui qui fera 0. Et ça, c'est k carré. Hein. Voilà. Non, on aura. Donc, deux VM sur pi, T0. Je vais rechercher. Voilà, et je vais rechercher sinus kt sur pi, ça fera 0. Pour k égale 0, ça fait 0. Et pour pi, ça fera 0. Et il va rester moins cosinus kpi. Ce qui fait pi cosinus kpi. Moins cosinus kpi. Il n'y a plus d'intégrale. Moins cosinus kpi sur k fois pi. Voilà. Alors, T0 c'est pi, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure, donc c'est 2vm sur pi carré. Moins pi cosinus kpi sur k. Voilà, on a une simplification avec ce pi et ce pi. On a moins 2vm sur pi cosinus kpi. Alors, si k est pair, ben, cosinus kpi, 2pi, 3pi, pi, 2pi, 2pi, cosinus 2pi, ça fera 1. Hein, si k est pair. Si k est impair, ça fera moins 1. Ouais, c'est ça. Moins 1. On est d'accord. Bon. Mais ça, c'est le BK. Je parlais uniquement de ceci, hein, sans faire, sans introduire le moins là. Voilà. Donc, moins 1, si k est pair, ça fait 1. Si k est impair, ça fait moins 1. Donc, je peux mettre k pair, ça fait 1, donc je peux remplacer par ceci
par moins 1 exposant k. Si k est pair, ça fait 1. Si k est impair, ça fait moins 1. Voilà. Donc j'aurai BK égale moins 1 VN sur pi. VM sur pi. Alors, je vais réécrire. BK égale moins 1 VM sur pi moins 1 exposant K. VM, oui, il manque un 2. Hein. Il manque un 2 quelque part parce que je me rappelle qu'au départ j'avais mis un 2. Donc il manque un 2. Je sais pas ce que je l'ai mis. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Oui, ce 2-là. Je dois voir apparaître ce 2-là. Et pourtant, il n'apparaît pas. Je ne sais pas ce qui est passé. Il est bien là. 2 sur pi. 2 VM sur pi sur T0. On est d'accord. P sur pi sur T0. Là, il n'apparaît plus. C'est normal parce que j'ai fait un traitement séparé. Là, il n'apparaît plus parce que c'est le même traitement séparé. Ça, c'est toujours le traitement séparé. Là, j'ai toujours un traitement séparé. Là, voilà, le 2VM, il est là, il me semble bien. Donc, c'est 2VM sur pi, pi carré, il simplifie avec le pi. Voilà, on a 2VM. Je vais les réécrire. Donc j'ai 2 VM sur pi moins 1 fois moins 1 exposant K. 2 VM sur pi moins 1 exposant 1 moins 1 exposant K. Ce qui fait moins 1 exposant 1 plus K. Et 1 plus K, c'est K plus 1. Voilà. Et voilà le BK. Voilà mon BK. Et il manque aussi encore un K. Il doit avoir un K normalement. Là, il n'y est pas. J'oublie parce que j'ai trop de pages. Le problème, c'est que je dois aller chercher dans des pages qui. Dans l'intégrale, il apparaît un K. Alpha. Ici, je l'ai mis en alpha. Voilà, le K, il est là. Donc, je dois voir apparaître le K. K carré. Voilà, le K, il est là. Le K apparaît ici. 2VM sur pi. Voilà, cos K pi. Moins 1. Donc, il y a un K. Donc j'oublie encore un cas que je remets ici. Eh ben, il est là, le cas il est là. Ah ouais, mais ça c'était la page avant. Moi je peux l'écrire ici, hein. Bon, c'est pas un problème. Parce que j'ai trop de pages, il faut que je parcours toutes les pages. Et bon, ça devient embêtant quand on a trop de pages. BK égale, donc on avait 2, VM sur pi. Pas oublier, bien sûr, il y avait un K moins 1 exposant K plus 1. Non. Maintenant, je vais voir sur Wikipédia.
Et je referai le dessin sur GeoGebra dans une autre vidéo parce que ça va, elle est trop longue. Hein. Elle est trop longue, j'ai trop de pages. Bon, je vais arrêter celle-ci. Alors, donc, un signal en dents de scie est une sorte d'onde non sinusoïdale que l'on rencontre en électronique ou dans le domaine du traitement de signal. Il tire son nom de sa représentation graphique qui se rapproche des dents d'une scie. Théorie d'une onde en dents de scie peut être construite en utilisant la synthèse additive, la série de Fourier. Voilà la synthèse additive. Je le ferai pas. Voilà, ça je le ferai dans une autre vidéo par GeoGebra. Oui, et j'ai oublié le fameux. Voilà. Ça c'est mon BK. Hein. Voilà, je n'ai écrit que mon BK. Parce que si vous voulez la série de Fourier, il me manque un terme. Ça, c'est mon BK, vous l'aurez compris. Donc, la série de Fourier, V de t, du signal, c'est A0 plus somme de pour k égale 1 jusque l'infini, enfin, avec une tendance infinie, de BK sinus de oméga 0, k oméga 0, t. Ça, c'est la série de Fourier qui dit ça. Mais le BK, il est là. Le BK, il est là. Voilà. Donc, ça fait bien ce qui est là. Voilà, je vais le présenter comme celui-ci. Enfin, je ferai dans une autre vidéo. En tout cas, vous avez la forme. J'ai la forme. Hein. La forme, je la retrouverai. Quand je ferai le dessin sur GeoGebra, je ferai la forme. Bon, parce que j'ai trop de pages ici. J'ai trop de pages à parcourir à droite, à gauche, remonter, redescendre. Vous avez vu l'allure. Hein. L'allure, vous l'avez. Voilà, la suite du cas, je dois avoir bk sinus oméga 0 t plus A0. Plus A0. Voilà. Donc c'est somme pour k égale 1 jusque l'infini de moins 1. Voilà. Bon, je le ferai dans une autre vidéo, parce que ça commence à devenir un peu trop long. Alors, je vous remercie.